Oui, ça enregistre. Et Malika, bonsoir. Bonsoir Elytra, bonsoir à tous. Je suis contente de te retrouver pour faire cette enquête. C'est la D'accord. numéro 111, dont tu ne connais pas le sujet. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas les enquêtes, on a une partie du protocole qui est fixe, donc dans laquelle je poserai des questions fixes et sans demander encore plus. Et on ira approfondir dans la partie libre. Et toutes ces enquêtes sont faites par plusieurs pays, donc par la team Griffasi et l'académie Griffasi. Donc, quand tu veux, on y va. Bien. Installe-toi confortablement. Tu me dis si tu me vois bien. Parfait, oui. Ça va comme ça? Oui. Allez, super. Fais-moi un, deux, trois. Un, deux, trois. Éventuellement, si je fais ça, c'est Ah, bon. voilà. Ah, je me disais oui. Alors, Très un, bien. deux, trois. C'est parfait, c'est parfait. Parfait. Prends une profonde inspiration. Et en expirant, tout relâche. Tout le stress, toutes les pensées. Tout ce dont on n'a pas besoin à ce moment. Et tu inspires et tu te détends. Et je vais compter des 10 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends pour retrouver le calme idéal pour cette enquête. 10. Petra? Ah, Continue, pardon. oui, pardon. Continue de moduler les fréquences d'une façon idéale pour toi. Calme et détendu. Continue de respirer calmement. Et comment tu te sens, Malika? Bien, merci. Très bien. Je vais compter de 3. À mon 3, tu te connecteras aux informations présentes dans l'éther
un rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. Tu me diras si tu vois des différences dans le corps dimensionnel de la maman. Deux. Les différences, donc. Oui, les différences par rapport à ce qui est l'avortement spontané, donc une fausse couche, ou un avortement provoqué, voulu. Eh bien, ce qui me vient tout de suite, c'est que dans les deux cas, le mot stress ressort, qu'il soit spontané ou naturel, Oui. ou provoqué chez la femme, dans le corps de la femme, qu'elle en soit consciente ou pas, c'est quelque chose de traumatique D'accord. pour le corps de la femme. Voilà. Vois-tu aussi des différences ou pas encore pour le moment? Différence physique. Différence par rapport à ce qui se produit dans le corps dimensionnel de la maman. Moi, là, ce qui m'apparaît, j'ai un corps d'une femme, le corps comme s'il s'atrophiait pour, comme si le corps s'atrophiait, mais j'ai l'impression que c'est dans les deux cas, un corps tout flétri Oui. physiquement, c'est ce que je vois. Très bien. Donc, dans les deux cas, il y a la même réaction. Oui, moi je le vois pour les deux. Alors, on va passer à la question suivante. À ce moment-là, je te demande de chercher les informations présentes dans l'éther par rapport à une fausse couche ou à un avortement provoqué. Que ce soit chirurgical ou médicamentaux, mais dans le corps dimensionnel de l'embryon ou du fœtus, que vois-tu? Y a-t-il des différences? Que ce soit dans la rupture, c'est ça? Oui. Qu'elle soit voulue ou enfin provoquée ou non. Toujours pour le corps de la femme, pour la femme ou Non, cette fois pour le corps du fœtus du ou de fœtus. l'embryon. Moi, j'ai le mot erreur qui vient. Erreur. Erreur. Degré de choix, degré d'erreur, intensité d'erreur, D'accord. de choix de venir. Se réincarner ou pas, que ce voilà dans le cas où c'est désiré tel un avortement ou programmé tel un avortement ou naturel accident problème biologique Oui. pour le fœtus. Pour l'âme qui s'apprêtait à arriver
C'est un degré d'erreur, un degré de un choix, un recul, oui. Oui, ça c'est très intéressant. C'est ce que je vois, c'est et selon que ça se concrétise ou pas, cette réincarnation ou incarnation, je dirais, incarnation ou réincarnation, selon que ça se fasse d'une telle manière de naturellement ou que ça ne se fasse pas naturellement ou de manière programmée, eh bien, c'est là où est le degré comment dire, du trauma, du choix de s'incarner ou pas. Je sais pas si. Oh oui, c'est très clair, c'est très clair. C'est comme il reste une empreinte dans l'énergie du. Voilà. Voilà, ça va être plus ou moins traumatique de la façon dont il va choisir, pas choisir, mais dont la façon dont cette incarnation, réincarnation ne se fera pas, eh bien, il y aura plus ou moins un trauma, voilà, avortement naturel ou programmé. C'est un degré de trauma pour le fœtus. Pour des raisons X, Y, il faudrait approfondir. Oui, très bien. Apprenez à voir dans la partie livre. Avant tout, dis-moi Malika, comment tu te sens? Parce que je suppose que les énergies doivent être un peu lourdes avec ces informations. Alors, je me sens bien, merci. Mais c'est Très vrai bien. que c'est un sujet, oui. Mais Surtout ça pour va. des femmes. C'est. Oui, tout à fait. C'est. Oui, prends bien les distances, on observe seulement. Et. D'accord. Très bien. Et puis tu me dis à tout moment si quelque chose te met mal à l'aise. D'accord. Alors, dans tous les cas d'avortement, que ce soit spontané ou provoqué, observe maintenant quelle dynamique énergétique s'est créée entre la maman et l'enfant à la suite de l'interruption des grossesses. Alors, j'ai un mot qui vient tout de suite, là, immédiatement, je le dis, c'est le pardon. Alors, le pardon, et je le vois, le pardon, plus du côté de cette âme qui ne s'est pas incarnée ou réincarnée. Et du côté de la maman, je vois une grande maturité du côté de cette âme qui n'est pas, de cet enfant qui n'est pas né. Oui. Et par rapport à la mère, qui elle, tout est à. Il y a quelque chose à reconstruire. C'est une partie d'elle qui s'en va. Oui, d'accord. C'est une partie d'elle qui s'en va, même si on pense que ce n'est pas encore. Parce qu'il y a quand même un fœtus, il y a quand même un embryon. C'est Oui. une partie, ouais. C'est déjà son enfant. Donc, alors le fœtus, il est déjà là, oui. C'est ça, moi je vois cette image de l'âme de cet enfant qui n'est pas arrivé. Oui. Plus bon, avec une grande maturité par rapport à l'état émotionnel, psychologique de la maman qui vit ça comme un. Ben, voilà, parce que Avec tout son même corps physique et énergétique. son corps physique énergétique, c'est très très bas, évidemment. Et même si c'est programmé. Même si D'accord. c'est programmé. Et il y a cette idée qui me vient que nous vivons, même aujourd'hui au 21e siècle, où c'est quelque chose qui se fait de manière très, très courante, facile, presque c'est une décision qui se prend pas à la légère, mais.
Et même si c'est facile pour les femmes actuelles de prendre une telle décision, c'est ce qui me vient, ou que ça paraît facile, ça ne fait que paraître Oui. facile. Il y a des empreintes, il y a des... On est marqué au fer rouge, les femmes. Oui. Même si on a l'impression que, bon, je l'ai décidé, je parle de la partie programmée pour l'avortement, je l'ai décidé, c'est facile pour moi, c'est mieux comme ça, je l'ai décidé, tout va bien, ma vie continue. Ça me dit que non, qu'il y aura quelque chose à guérir. Oui. Tout autant que... Et ce qui me vient, c'est que l'impact, la marque au fer rouge, désolée pour cette image qui est un peu violente, hein, Ça va très bien. voilà, cette détresse, elle est moins importante pour un avortement naturel, Oui. pour la mère. Et pour l'âme, l'enfant qui devait venir, pour cette âme qui ne s'est pas incarnée, pareil, il y a cette légèreté, il y a c'est plus léger. C'est une tristesse ou un choix et une tristesse, les deux à la fois, c'est plus léger pour quelque chose qui ne s'est pas produit de manière biologique, hein, naturelle. Même dans le cas où une maman souhaite très fort avoir un enfant, et que ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un œuf clair, comme on dit, je crois en médecine, un œuf clair, donc pas d'embryon, eh bien il y aura cette tristesse, mais bon, c'est entre guillemets, c'est plus réconfortant pour la mère de savoir que c'est naturel plutôt que de prendre une décision de volontairement empêcher cette incarnation. Voilà, c'est beaucoup plus traumatique Oui. pour les deux, pour la mère et pour l'enfant, le côté programmé. Même si au XXIe siècle, ça le paraît moins Oui, je comprends. pour les mentalités. Je comprends. Voilà, de la femme moderne. Et Très bien. je parle pas de culpabilité, hein, je parle vraiment, c'est la culpabilité, mais il y a vraiment quelque chose de plus profond qui va agir sur le corps, d'où cette image que je vois de corps d'une femme, limite sans forme, flétrie, comme un fruit qui se dessèche. Oui. Et c'est voilà, ça se voit pas, émotionnellement, probablement que la personne n'en a pas conscience, et c'est le corps qui prend tout. Oui. Et ça peut évoluer vers la conscience à tout moment. Je vois. Cette blessure. Très bien. L'interruption des grossesses révèle-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? C'est une question un peu particulière. Si tu veux, je la répète. Alors, si tu veux, tu peux la répéter, mais j'ai un oui, Ah ça me oui, fait très bien. oui. Alors, je sais pas, ça me dit oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque autre chose qui vient? Ça me dit c'est un tout. Oui. Co-création, oui. Et pendant que tu lisais la question que j'ai bien écoutée, mais ça me disait oui, je veux bien que tu me répètes la question, s'il te plaît. Oui, très bien, volontiers. L'interruption des grossesses révèle-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Qu'en perçoit-on?
création universelle. Il y a le mot peur qui ressort. Le fait qu'il y ait autant d'avortements, que ce soit naturel ou volontaire. Oui, comme si, moi, pour comment j'interprète la question, c'est Oui. savoir si ces interruptions, qu'elles soient volontaires ou pas, si font partie du mécanisme de l'univers, donc d'une grande co-création, donc que ce soit à une personne incarnée ou à une autre, que ça permet quelque part un équilibre. Alors moi, ça me dit ça. Ça me dit, il y a un éveil autant ici-bas sur Terre, hein, de personnes, hein, d'âmes, des gens qui s'éveillent, qui de plus en plus, et que c'est la même chose de l'autre côté, dans les terres, dans les âmes désincarnées. Je ne sais pas si on peut Oui, dire ça comme ça. oui. Et du coup, il y a une co-création ici, nous tous qui sommes incarnés. Et du fait que dans les terres, je sais pas Oui. si j'utilise bien, eh bien, ces âmes qui sont désincarnées et qui s'apprêtent à l'être, eh bien, je vois qu'il y a un éveil de la même manière. Et que grosso modo, ils font un petit peu plus attention avant de se réincarner. Oui. Ils ont un peu plus de libre arbitre. Ça me dit ça, je sais pas. Il y a une réflexion, je sais pas si. Et oui, il y a cette co-création. Pour le tout, donc c'est très bien. Pour un meilleur, moi c'est ce qui me vient. Je m'incarne pas dans cette famille. Je vais attendre un peu. Je sais pas. Il y a des choses comme ça qui me viennent. Ah, j'ai hâte de poser des questions. Après, oui, c'est intéressant. Voilà. Il y a des deux côtés, l'éveil des deux côtés, incarné, désincarné, co-création, Oui, c'est universel. comme une danse universelle. Alors. Voilà, en connexion avec. Oui, universel, tout à fait. Un tout, ça, c'est. Il y a un éveil. Moi, je ne vois pas de côté sombre, là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui. Mais comme toute chose, ça ne se fait pas sans mal, parce qu'il y a quand même la souffrance de ces femmes incarné qui, voilà, qui est là quand même. Oui. Observe maintenant l'interruption d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, étendue comme le monde animal, végétal, minéral, donc tout ce qui est dans la planète. Quand je t'écoutais dire ça, de suite, j'ai vu des infirmiers, enfin du personnel d'hôpital, du personnel hospitalier, porter des sacs, des valises d'embryons. D'embryons, des valises, des sacs d'embryons. Et là, mais qu'est-ce qu'ils en font par rapport à la nature Oui. à l'environnement, qu'est-ce que ça devient tout ça? C'est ça que ça m'a ramené à là. Placenta, embryon, fœtus, tout ça, qu'est-ce que ça devient? Oui. Et je vois cet hôpital, ce personnel hospitalier transporté. Intéressant ça. Ça, et est-ce que ça a un impact? S'il y a
Oui, ou pas peut-être. Donc, c'est. Moi, j'ai vu ce que je viens de te Oui. détailler, c'est ce qui m'est Oui, apparu. et puis ça a été très clair, telle qu'image, donc c'est très bien. Après, on ira approfondir. De nos jours, par rapport au temps passé, quelles sont les causes d'un caractère exogène pouvant conduire à des avortements? Donc, un caractère externe, je pense que. Oui, le stress, la fatigue, la condition de la femme qui doit travailler plus que l'homme pour les mêmes conditions, pour les mêmes niveaux économiques, pour les mêmes Oui. salaires, se faire entendre deux fois plus, toujours. La femme doit dépenser deux fois plus d'énergie, voire plus que l'homme, quelle que soit la civilisation, la culture, en tout cas sur Terre, hein, le pays. La femme n'est pas égale à l'homme. Tout ça a une conséquence, cette difficulté de se faire reconnaître quand elle-même se reconnaît. Parce que encore faut-il qu'elle se Oui. reconnaisse elle-même du fait de ce traitement. Des hommes envers les femmes. Quand elle arrive à se reconnaître, elle doit donc doubler d'efforts pour se faire entendre. Ça, il y a une baisse d'énergie ou pas. L'énergie est toujours là, mais ça a une conséquence sur son corps, sur les conditions physiques, psychologiques, émotionnelles pour accueillir éventuellement une grossesse, un enfant. C'est, voilà, condition de travail, c'est Très ce que je bien. vois. Oui. Et en ce qui concerne les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, observe la condition de l'avortement spontané par rapport au corps sexuel de la maman. Que perçois-tu ou visualises-tu? Spontané, Oui, naturel, donc naturel. le fausse couche. Fausse couche naturelle. Sexuelle. Donc tout ce qui est le corps de la créativité, le plaisir. Elle est de suite rassurée parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a moins de traumas. Oui. Même au niveau sexuel, morphologiquement, la nature, le corps de la femme est robuste pour pouvoir réitérer, concevoir à nouveau. Sans parler de la médecine qui fait très bien les choses, hein. J'ai le mot curetage qui vient, le nettoyage pour repartir dans de meilleures conditions. Je vois pas de quand c'est naturel, quand c'est comment tu dis le terme, j'y arrive pas avec ce terme. Morphogénétique de l'éther, le champ morphogénétique de l'éther. Champ morphogénétique de l'éther. Oui, dans le champ morphogénétique de l'éther. En fait, oui, c'est Ah, notre j'étais pas. façon de. C'est une D'accord. façon plus compliquée de définir le terme. Morphogénétique de l'éther. Oh, ça suit avec le physique, hein. C'est un stop, mais c'est juste un frein. C'est juste un frein. Ça D'accord. repart, c'est ce qui me vient. Oui. C'est juste un frein, ça repart. Et parce que quand il y a morphogénétique éther, quand il y a possibilité, quand ça arrive une fois, morphogénétiquement dans l'éther, ça peut revenir. Oui. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a possibilité.
Donc ça se peut remettre en œuvre, Mais en action. ça peut se remettre en œuvre, mais ça peut ne jamais se produire malgré les tentatives. Et là on tombe dans les dossiers comment on appelle ça? Interférence. Oui. Il y a de ça aussi, de toute façon, ça me dit qu'ils sont partout, à tous les niveaux. Ça me dit, c'est relié avec le sexe, avec tout, quand les interférences se nourrissent de tout ce qui est sexuel, tout ce qui tourne autour du sexe, eh bien, c'est lié, les fausses couches, là, c'est Oui. lié. Donc, voilà, il y a ça aussi. Très bien. Après, ça me vient en chaîne comme ça, les interférences et les répétitions de situations de vie en vie. Oui, d'accord. Très bien. Et toujours en observant le champ morphogénétique de l'éther, porte maintenant l'attention vers ce qui est le corps sexuel de l'embryon ou du fœtus en cas de fausse couche, d'avortement spontané. Donc, qu'est-ce qui devient le corps sexuel de cet Fœtus. être? Oui. Donc on est dans l'éther parce que physiquement il n'y a pas de Oui, non, sexe. dans l'éther, toujours dans l'éther. Oui. Est-ce qu'il y a des répercussions ou pas du tout? J'ai pas pour répondre spontanément. Très bien, c'est tabac. J'ai pas. Ouais. Non. En tout cas, là, tout d'un coup, j'ai une grande lumière, là. Enfin, ça s'éclaire, là, sous mes paupières, mais. D'accord, une lumière comme quelque chose qui éclaire la situation ou juste une Oui. lumière qui vient. Oui. Quand je disais, je sais pas, parce que ça s'est éclairé comme ça, là, sous mes paupières. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Intéressant, ça aussi. Après, on ira voir de la partie libre. Comment tu te sens? Toujours, ça va? Très bien, très intéressant. Très bien. Maintenant, regarde le corps sexuel du maire dans les moments précis dans lesquels l'avortement est déclenché. À l'instant précis. Oh, c'est pas beau, hein. Le corps, le sexe de la femme Les corps physiquement sexuels et dans l'éther, par contre, dans dans l'éther, l'éther, oui. dans les Ne regarde pas le physique, ça va être agréable. voilà, Mais la partie de son éthérique. corps éthérique qui concerne la partie créative, ce Elle qu'on se appelle le corps dissout, sexuel. ouais, Oui. il y a une atrophie éthériquement, je vois quelque chose qui disparaît comme ça, il y a une atrophie. Donc à ce moment-là, c'est ça qui se passe, je Oui, moi pense. c'est ce que je vois, c'est atrophié, ça disparaît, ça se dissout, le corps sexuel éthérique. Comme tu voyais tout à l'heure pour les restes, donc ça part par là. C'est par là que ça part. Très bien. On arrive bientôt à la fin de la partie fixe. Existe-t-il des relations entre l'avortement et le cycle de réincarnation? S'il existe un lien Oui, entre non, l'avortement. ou en partie peut-être aussi. Oui. Quelle relation Dans le tu vois? cycle, hein, Oui. oui. L'avortement et la réincarnation. Ah oui, il y a un lien, oui. Que vois-tu d'autre?
Et la réincarnation pour un même fœtus ou oui, pour une même Oui, âme. prends un Pardon. même fœtus, un fœtus ou une partie subtile qui vit la même, qui a vécu ça, que ça. Oui, parce que oui, parce que les choix ne sont pas les décisions, les projets, les choix, les intentions ne sont pas les mêmes des deux côtés, c'est-à-dire du côté de l'âme qui arrive, qui s'apprête à s'incarner, et du côté de la maman ou de la famille qui va recevoir. Oui. Et je vois quelque chose de comme une bestiole là. Ils interviennent, ils peuvent intervenir dans cette connexion, dans cette connexion, dans cette incarnation, qui fait que la femme, cette décision, elle la prend parce qu'elle est interférée. Voilà ce D'accord. qui me vient. Donc, il y a une frustration de l'âme qui avait choisi de s'incarner dans cette famille, en cette femme donnée, Oui. mais l'interférence a empêché cela. Oui, d'accord. Donc, s'il y a déjà une interférence, dès qu'il y a un avortement, l'interférent est plus fort encore, ou ça reste l'impact de l'interférence reste le même ou plus fort? Ça se passe, l'avortement se passe et tout ce qui va avec de mauvais. L'avortement se passe. L'acte est fait. C'est Oui. comme quand quelqu'un qui est interféré et puis qui est tout à fait normal, qui vit une vie normale et qui va tout d'un coup se mettre à assassiner des gens parce qu'il est interféré. Oui. Là, je vois que ça se passe de la même manière. Que la maman est interférée, qu'elle va décider d'avorter, et qu'il y a cette frustration pour l'âme qui voulait s'incarner. Oui. Donc oui, c'est. Et donc, pour la réincarnation, voilà quoi, il y a des blessures pour l'âme aussi, je sais pas. Par exemple, suis toujours ce cas-là précisément et. La partie subtile qui souhaitait s'incarner, donc ce qui voulait être, ce qui était le fœtus. Quelle est la suite de son parcours suite à ça? Donc, suite à un avortement qui n'était pas prévu dans son chemin. Errance, l'âme erre encore un peu. A-t-il des difficultés en particulier pour s'incarner par la suite? Moi, je le vois perdu, erré, 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 errance. Comment le vois-tu? Avec une apparence similaire à toutes les essences, au plus petit, c'est présente Moi, je le visuellement? vois. Je le vois comme ondulé, comme ça, une âme qui ondulait erré, quoi, Super, un oui. perdu, voilà, comme Comme un programme, il avait programmé quelque chose et à partir de là, il est déstabilisé. voilà, il est perdu, il est il se retrouve isolé, perdu, erré, un laps de temps. C'est ce que je vois. La décision était prise et puis, paf, ça ne s'est pas fait. Y a comme une errance, un désarroi. Voilà. Y a-t-il des possibilités d'interférence à partir de là, ou sont déjà présentes aussi vers l'âme qui n'a pas pu s'incarner? Moi, je vois que la mère d'interférer. Et pour le fœtus, qu'est-ce que ça est au niveau d'interférence après? Non, j'ai. Y a, c'est indépendant. Je vois Très que bien. c'est dissocié. C'est dissocié. Très C'est bien. dissocié. Donc, puis c'est vrai qu'il y a plusieurs cas, donc c'est très bien. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé, mais bon, c'est ce qui m'est arrivé, mais en tout cas,
à la question, est-ce que ça peut avoir des conséquences, si j'ai bien compris, Oui. sur la réincarnation, le fait que un avortement soit programmé, est-ce que ça a des conséquences sur l'âme, le fœtus, enfin l'âme qui voulait s'incarner? Oui, Dans ce cas-là, oui. je vois rien. Et dans les cas, par exemple, tu me diras si ce cas-là existe. Si c'est le fœtus la partie subtile du fœtus qui avait programmé de ne pas arriver à la fin de la grossesse, donc quelque part chercher qu'une partie de l'expérience dans le ventre maternel. Vois-tu ça possible? Moi, je vois que quand la décision est prise de s'incarner, que ce soit pour une expérience, c'est pour une expérience de vie, d'incarnation. Expérience dans le ventre, ça m'est pas venu. Et je vois un projet à terme d'incarnation. Donc, est-il possible que une partie subtile choisisse de faire une partie de l'expérience dans le ventre maternel, donc avec le projet de partir avec peut-être un avortement spontané, ou ce n'est pas du tout possible? À cette question, je dirais oui, tout à fait, c'est tout à Ah, fait d'accord. possible. C'est tout à fait possible et Donc, il y a plusieurs cas différents. oui, d'expérience, oui, d'expérience de vie, autant pour la mère que pour le fœtus. De vie, Et enfin, d'expérience, quoi. oui, c'est vrai, on voyait tout à l'heure aussi le choix si venir ou pas. Donc, Venir ou pas, venir ou pas. Oui, et donc il y a du coup, fatalement, il y a cette expérience. Oui, l'âme va repartir avec cette expérience de toute façon. Oui. dans ces cas-là, est-il errant après ou il peut poursuivre son chemin plus facilement? Donc, quand c'est son choix de quitter le corps de la maman. Moi, je le vois momentanément errer. Aussi. Momentanément erré. Voilà. C'est dû peut-être au fait du changement du corps, du monde physique au monde subtil. Le fait qu'il reste un moment à errante dans l'éther, au sein, et aussi vraiment le changement du programme. Pas pour une âme qui se réincarne, puisqu'elle a déjà vécu tout ça normalement. Donc c'est l'interruption de la grossesse qui fait en sorte que le fœtus, ce qui était censé être le fœtus, se sont perdus pendant un moment. C'est une connexion qui se fait et puis qui est interrompue pour de multiples raisons et des deux côtés, que ce soit pour l'âme ou pour la maman, le corps, la maman qui va recevoir cet embryon, enfin, qui va recevoir cette âme. Et il y a aussi des liens. Des liens entre les âmes. Oui. Ça me dit que une maman peut tomber enceinte et interrompre une grossesse, enfin que l'interruption se fasse, qu'elle se fasse de manière naturelle ou de manière programmée, eh bien cet enfant, cette âme qu'elle a accueillie avant de faire ce choix d'avorter, pouvait être dans d'autres vies son père ou sa sœur ou sa mère. Il y a des choses comme ça qui me viennent. D'accord, oui. Et donc, c'est plus courant que ça arrive avec des interruptions de grossesse, ce lien ancien de d'autres vies?
Je vois que ça peut être ces raisons-là, avec des liens de vie antérieure. C'est compliqué. Oui, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup plus des cas, donc chaque cas ça peut être différent, donc c'est difficile aussi de généraliser, je suppose, surtout depuis là. Ouais, mais quand je regarde d'un peu plus loin, globalement, y a les interférences qui me reviennent aussi, quoi. C'est, voilà, de vie antérieure, passée. Oui. C'est, Donc tout ça, ça y a peut être aussi une conséquence d'interférences passées dans le passé, donc dans des autres espaces-temps. se répète pour l'âme Oui. qui va s'incarner et qui finalement sera arrêtée en chemin, ou pour la mère qui reçoit cette âme Oui. en tant que grossesse, nouvelle grossesse. C'est voilà. Y a un peu tout. Oui, tu peux déconnecter de cette image parce que c'est beaucoup chargé. Déconnecte. Oui, c'est. Il y a beaucoup. C'est comme quelque chose, un tas d'informations tellement sont nombreuses et sont pas terribles non plus. Donc, Après, je vois, tout d'un coup, là, je pense au Covid. Je sais pas, je pense au Covid et au fait que les jeunes, enfin, les femmes. Et les hommes qui seront en âge de créer, d'avoir des enfants, là aussi, hein, ça va pas être trop trop possible, hein. Mais est-ce que ça va se faire au niveau des avortements naturels? Je sais pas. Il va y avoir quelque oui. chose aussi, je sais pas pourquoi je fais un lien. Ah, si tu as vu ça veut dire qu'il y a forcément comme une difficulté à porter à terme Oui. les grossesses. Je vois. Je vois. Ah, tout à l'heure, tu as vu aussi un hôpital. Et c'était pour ce qui concernait la nature et le concept d'avortement. Est-ce que tu veux développer ou tu as d'autres informations qui font les liens? Ouais, j'ai vu ce milieu hospitalier et j'ai vu ces gens. Alors, au lieu d'être en blouse blanche, moi je les vois carrément comme un scaphandre. C'est très bizarre. On dirait qu'ils vont aller on dirait qu'ils vont aller dans l'espace, mais en fait, c'est juste un milieu hospitalier, quoi, avec leur valise, comme s'ils portaient un cœur dans leur valise ou, je sais pas, Sont-ils dans l'éther, l'organe. dans le physique, tu vois? C'est ça? Tu le vois dans le physique? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le physique, hein, D'accord. réel, quoi. J'ai l'impression que c'est réel. Bon, c'est pas courant, évidemment. On les voit pas déambuler dans les couloirs d'hôpitaux avec le public, là, mais ça a l'air plus. Recherche, secret, Oui. quand tu m'as parlé Il y a d'environnement. beaucoup de médicaments, vaccins et d'autres choses qui sont faites avec le fœtus Oui. qui a moins de 3 mois. Donc avec le c'est un fœtus qui n'a plus de vie. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Alors, ça me dit ces médicaments-là, oui, mais c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est réservé à certaines personnes pour voilà. D'accord. C'est un lien avec ça, l'image que tu avais vue? Oui, moi je vois ça plutôt caché, quoi. Puis comment dire, dans les hôpitaux, on n'a pas l'habitude de voir des gens en combinaison. Le corps Oui. couvert jusque la tête, avec Donc, comme un casque, quoi, comme un espèce de.
Donc, il y a des études qui sont faites, mais encore plus poussées de ce qu'on peut penser Voilà. à l'heure actuelle. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de nature et de nature, environnement. C'est pas naturel, c'est pas sain, je ne sais pas. C'est oui, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Mais j'arrive pas à voir, mais c'est genre secret, quoi. C'est. Voilà, je Ça va sais pas très ce bien. qu'ils font avec ça, mais en tout cas, c'est récupéré. Rien n'est jeté, quoi. C'est récupéré, bien, bien emballé, bien transporté comme ça, mais je sais pas où ça va. Non, ça va très bien. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Et j'ai une autre question qui n'a rien à voir, mais on voit parfois dans les sessions que la partie subtile des personnes rentrent dans le corps de la maman après quelques semaines, parfois après un mois. Donc, que vois-tu à ce sujet? La Y a-t-il partie un sub. moment? Oui, les moments où la partie subtile incorpore le fœtus pour devenir le bébé. Que vois-tu à ce sujet? Le fait du temps, il y a un temps en particulier où ça peut changer? Quand la partie subtile rentre dans le corps du bébé, d'une maman qui est enceinte et qui fait une session? Non, nous avons vu dans certaines sessions qu'il y a des moments particuliers pour qu'il rentre. Juste ça. Est-ce que tu vois quelque chose au niveau du temps? À quel moment Ah. rentre la partie subtile dans le corps de la maman? Pardon, je me suis mal expliquée. Non, non. Moi, j'ai le mot maturité précoce. Je sais pas si ça me dit ça. Maturité précoce. Le moment où est conçu le bébé, y a-t-il déjà une partie subtile ou c'est trop tôt? Oui. Oui, il y a une partie subtile. Il y a déjà quelque chose. Au moment de la conception? Oui. Oui, ça me dit oui, il y a une partie subtile, il y a quelque chose, oui. Donc, même s'il ne rentre pas de suite, parce qu'il n'y a pas encore assez de place, en fait, l'embryon, il n'est pas formé, il y a déjà une intention, une présence au sujet du petit. Ah. Wow. Ouais, je vois des. Bon. Oui. On peut même communiquer avec cette partie subtile. Ça me dit ça, je sais pas. On peut communiquer avec cette partie subtile. Oui. Elle reste à l'intérieur du corps de la maman ou à côté, en dessous, autour. Aller à l'intérieur de cette âme Oui. qui est dans le corps. Aller à l'intérieur de cette âme. Oui, non, elle n'est pas de l'autre côté. Elle est vraiment déjà là. Oui, elle est déjà là. Elle est à l'intérieur de cette âme qui est à l'intérieur du corps de sa mère. Parce que. Très bien. Les sollicite parce qu'on la c'est une question de communiquer avec elle, n'est-ce pas? Donc Oui. si on la sollicite, oh, c'est compliqué là. Il y a des choses qui me viennent. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois? Ça me dit que ça peut avoir une influence sur la partie subtile de la mère. D'accord. À De ce suite. stade-là de la création, il y a quelque chose de scindé. Dans tous les cas, Encore. de temps en temps. Non, de manière. Quand elle est. Non, quand ça grandit, quand ça évolue dans le ventre de la mère,
C'est clair que la partie subtile est là, mais au moment de la création, la fécondation, Oui. elle est déjà là. D'accord. Intéressant. Très bien. Donc c'est pour ça que quoi, à n'importe quel moment arrive l'interruption de la grossesse, il y a comme ce que tu voyais comme un dessèchement du corps subtil, parce qu'il y a une division, ce n'est pas naturel en fait, ce n'est pas prévu pour les deux corps subtils. C'est atrophié, oui. Oui, c'est pour ça, donc c'est très bien. Alors, j'aimerais juste vérifier une dernière chose, même s'il y aurait plein de questions à poser. C'est que tu voyais tout à l'heure au sujet de la lumière, il y avait la question sur l'interférence. Et tu voyais, tu as vu de la lumière dans les paupières. Il n'y a pas eu l'information, je ne me rappelle plus trop la question. Mais tu as eu de la lumière, donc au sujet du fœtus. Ouais, c'était je me rappelle plus et je voyais rien en fait à la question. Le corps sexuel de l'embryon, pardon. Le corps sexuel de C'était ça. l'embryon, est-ce qu'il Ouais. existe des est-ce qu'il est est-ce qu'il a des, est-ce, ah oui, voilà, je me souviens, est-ce qu'il va y avoir des conséquences dans la le corps sexuel du Oui. fœtus, si Et si est-ce qu'il existe déjà, a priori, oui. Normalement, il doit avoir déjà les trois corps, pas développés, mais comme une empreinte déjà qui se prépare. Le corps éthérique, pas le corps physique. effectivement, je ne voyais rien, mais j'ai vu cette lumière. Et qui faisait pas du tout artificiel, hein. C'était vraiment une luminosité. Est-ce que tu perçois quelque autre chose ou c'était juste une lumière? C'était pour vérifier à quoi c'est dû la lumière. Ouais, j'ai pas l'impression que ça pose problème, hein, Juste pour la ça. partie sexuelle. Très bien. Ce qui me vient. Donc, il peut poursuivre son chemin après Oui, j'ai sans pas l'impression. problème. Moi, ça me dit. Voilà, je vois pas. Là encore, c'est super clair, mais je vois pas. Est-ce que ça veut dire autre chose? Je ne sais pas, mais je vois rien de négatif, moi. Ça, c'est l'important. Bien. Alors, je poserai 20 000 questions, mais on attend le deuxième protocole parce qu'il y aura un deuxième protocole à ce sujet. Donc, D'accord. on attend celui-là. S'il y a quelque chose que tu captes à ce sujet de l'avortement, là, à partager, pour ajouter, je t'écoute volontiers. Autrement, on revient. Oui. Pour la femme, c'est quelque chose de terrible, évidemment, et de Oui. devoir de faire cet acte, qu'il soit de manière totalement insouciante. Je vois une jeune fille qui prend la décision comme si elle allait s'acheter une nouvelle robe d'aborter, et parce qu'elle se dit que bon, elle pourra retomber enceinte quand elle en aura envie, que ce soit de manière insouciante ou de manière totalement consciente et traumatique pour une femme. Ça reste l'empreinte. Ouais, l'empreinte est là. Oui. L'empreinte est là, autant dans le subtil que dans le physique. Physique. Et puis, alors, et après, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour la personne, pour la femme incarnée, que pour l'âme qui ne s'est pas incarnée, d'en guérir. Oui. Parce que ce qui n'est pas incarné, il peut poursuivre son chemin et trouver Oui. un autre corps. Et pour l'autre, il y a. Il y a une meilleure compréhension dans le monde
de l'autre côté, dans l'au-delà, quoi, dans le monde des incarnés, il y a une compréhension plus sage, plus maîtrisée que dans le monde physique pour les femmes et pour les hommes, parce que il y a les hommes aussi qui en souffrent. Oui, pour Évidemment. c'est la perte de la possibilité de devenir père ou aussi énergétiquement quelque chose qui se détache d'eux aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà. Non, c'est C'est il en tout cas faut quelque chose à bien réfléchir avant de. alors ça me dit justement que tu vois, tu dis que c'est à bien réfléchir, mais ça me dit ben non, parce que oui et non. Oui et non, oui, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi. Mais pour les expériences de vie incarnées Oui, en tant qu'âme. qui n'ont pas ces femmes-là ou ces hommes, parce que souvent ils sont générateurs de ce qui se passe, d'un avortement, eh bien, pour ces femmes et ces hommes qui décident de le faire par le biais de la femme, de manière inconsciente, pour des raisons autres, interférences, ou en tout cas, ou expériences de vie traumatique, eh bien, si c'est pas réfléchi, il faut savoir se guérir, il faut savoir prendre les mesures pour en guérir. Oui, pour rétablir l'équilibre du corps physique et éthérique. Oui. Oui, Oui, parce que le corps éthérique du bébé continue son travail et puis il faut pouvoir vivre sans se faire interférer à cause de la culpabilité aussi. absolument. Alors ça, là, le chemin est miné. Il est mine Oui, partout. c'est surtout ça le danger, un des dangers qu'on peut rencontrer dans un cas pareil. Voilà, alors non, là on part dans, là c'est miné, là c'est répétition, et puis il y a tout ça, il y a les vies antérieures, qu'est-ce qu'on a vécu, est-ce que ça Il y se a répète, est-ce tout. que ça se répète pas? La programmation de la société actuelle ou de la société des vies précédentes, on peut tout. Voilà, et tous les autres co-créateurs, que ce soit dans la partie des interférents, hospitalier, dans le monde physique, science, voilà, il y a une co-création autant et une co-création, voilà, j'allais dire autant, mais Co-création non, moi, généralisée voilà, partout. ça fait partie de la base de l'humanité. Oui. C'est parti d'une base de l'humanité qu'on va vouloir expandre ou au contraire atrophier. Et là, c'est plus le côté atrophie. Oui. On voit que, dernière question, que comment ça vient la base de l'humanité, les interruptions des grossesses, on en a eu dans toutes les époques. Est-ce que tu vois Oui. une différence entre une époque et l'autre, un niveau subtil? Il a été voulu que les avortements qui se passaient à l'époque reculés, tout se passait en catimini, cachette, caché, non dit, avec des traumas plus importants. Il a été voulu que aujourd'hui ce soit banalisé, Oui. cet acte-là. Le Oui. traumatisme créé chez la maman est-il à la même mesure qu'avant ou c'est différent? Le traumatisme énergétique, pas le physique. Le physique, c'est plus fluide maintenant, en tant que processus. Allez, je la vois moins traumatisée, mais ça laisse des traces quand même. Oui. Aussi à niveau éthérique, oui, Parce qu'on s'oublie dans les addictions, on s'oublie dans les médicaments, la science fait que tout se c'est. passe très bien après l'avortement.
curetage, on recommence. Je sais pas, il y a une histoire de banalisation, de banalisation de la perte de l'humanité. Oui, c'est comme une programmation qui s'est insinuée dans Voilà. dans le monde. C'est pas normal, mais c'est normal. Ça passe. Ça glisse tout seul. Mais bon, les traumas sont quand même là. Mais bon, on les occulte. La femme elle-même peut-être l'occulte. C'est trop facile. Alors, je te propose qu'on rentre. On va voir. Mmh. Très Mmh. bien. Alors, avant tout, déconnecte-toi complètement de tout Mmh. et de tous. Complètement déconnecté. Et tout revient dans tes énergies, uniquement tes énergies à toi. Et tu commences à inspirer profondément. Et tu expires, et cette fois tu relâches toutes les informations que tu as vues avec elle et avec lesquelles tu es rentré en contact. Et avec le 1, tu commences à récupérer toutes les énergies utilisées. Et tu peux choisir une fréquence idéale, que ce soit la joie de vivre, puisqu'on parlait de l'envers, la joie de vivre, l'hilarité, la sérénité. Tu peux mettre tout ce que tu veux, un cocktail des belles fréquences. Et tu récupères toutes tes forces en modulant ces fréquences ainsi. Et tu inspires, à chaque inspiration, tu te sens mieux, de mieux en mieux. Et avec les deux, maintenant, c'est ton corps physique qui récupère. Et qui se sent mieux, de plus en plus fort, de plus en plus régénéré, pétillante, avec toute cette belle énergie que tu as choisie. Et tu sens les muscles, les nerfs, tu peux te sentir déjà l'envie de te mouvoir avec une joie de vivre. Incroyable. Heureuse de réintégrer ton corps, de poursuivre ta soirée. Avec le 3, tu peux commencer à ouvrir les yeux. Quand tu veux. Ça va? Salut. Oui, très intéressant, Ouais. super. C'est un sacré sujet, oui. Ouais, C'est waouh. particulier. Absolument. On attend les autres protocoles parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres pour avoir d'autres D'accord. fréquences. Très intéressant. Alors, reste avec moi un instant. J'écoute l'enregistrement. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo
che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi? Quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare. E una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. Scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi, se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima, su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi. Che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia. ADN Cronos. Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva, che
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte, rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.